Bismillah. J'ai l'impression que ça marche, dit Lady Stern. Regardez-les, Théo. Justement, Lord Queen, regardez. Son neveu et la filleule de Marjorie, installés à quelques tables d'eux, semblaient entièrement absorbés l'un par l'autre, malgré les autres invités. Théo avait souvent remarqué que Luke possédait le talent d'accorder toute son attention à la femme à qui il s'adressait, comme si elle était seule sur Terre. Peut-être était-ce la raison pour laquelle on le convoitait tant, comme époux ou comme amant. Toutefois, en général, il s'intéressait plutôt à des jeunes femmes de haut rang social et de vertu légère, qu'il espérait attirer dans son lit. Or, malgré ses matières libres, Luke n'avait pu prendre Lady Anna pour une proie facile, ni pour une maîtresse potentielle. « Je vous certifie, Marge, que d'ici une dizaine de mois, elle lui aura donné un fils. » Lady Stern esquissa un soupir de contentement. « Ma foi, Théo, j'espère que vous dites vrai. Anna n'a pas eu la vie facile jusqu'à présent, et elle a presque passé l'âge de se marier. » Lucie ne voulait pas que je lui rende visite pendant sa maladie, et je n'ai jamais insisté, mais je l'ai regretté. Surtout quand j'ai entendu parler du reste. On dit que Royce a perdu toute sa fortune, qu'il a mené sa famille au bord de la ruine, à cause du jeu. On dit vrai, Marge, bien que je n'ai pas connu personnellement Lord Royce. On ne doit pas juger ses semblables, mais il semble criminel qu'un homme mène une vie insouciante quand ses enfants ne sont même pas établis. Il y a un garçon et trois filles, n'est-ce pas? 4 filles. La plus jeune est restée à la maison, et Charlotte a épousé un pasteur environ 1 an après la mort de son père. Sale histoire, cette chute du haut du toit. Il y a un chemin de rente. Je me le rappelle fort bien. La maison est située au sommet d'une colline et on a une vue magnifique. De là-haut, mais la rambarde est basse. Jamais je ne me serais aventuré trop près du bord. Royce l'a fait. C'est peut-être scandaleux de le dire, et ma chère Anna ne l'avouerait jamais. Cependant, je pense qu'il avait bu plus que de raison ce jour-là. C'est vraisemblable, en effet. Il adorait Lucie, et il s'est effondré quand elle a succombé à la maladie. Oui, ça doit être dur de perdre un être que l'on aime depuis longtemps. Il posa la main sur celle de son ami, la retira bien vite. Il tenait à la plus grande discrétion en public. « Je suis persuadé, reprit Marjorie, qu'Anna a porté tous les fardeaux sur ses jeunes épaules. Le chagrin consécutif à la mort de ses parents, mais pas seulement. J'aurais dû me rendre à Elm Court, afin de voir si je pouvais lui être de quelque secours. Vous l'aidez à présent, Marjorie. Vous l'avez fait venir à Londres, vous l'avez habillé de pied en cap et vous venez de lui présenter le célibataire le plus recherché de toute l'Angleterre. « Pourtant, regardez-le, Théo, répliqua Lady Stern en riant. Cet éventail, quelle affectation! Bah, ce qui importe, c'est qu'il y a derrière ces artifices, Marge. Et sur ma vie, il me semble séduit par votre filleule. Elle est ravissante, d'ailleurs. Oui, j'aimerais tant voir cette chère petite heureuse établie mère de famille. » Anna avait chaud à la fin de cette danse, et cela devait se voir. Après avoir rempli leurs 2 assiettes et s'être assis près d'elle à l'une des longues tables, le duc de Arundel sortit son éventail pour la rafraîchir. Elle sourit. « Tous les hommes se servent-ils de cet accessoire en France, votre grâce ?»« Pas du tout. Je ne me plie pas à la mode, madame. Je la crée. Alors je vais voir de nombreux gentilshommes avec des éventails ces prochaines semaines. »« Je n'en doute pas. Ça doit être merveilleux, la vie à Paris, » reprit Anna avec enthousiasme. « Il n'y a pas de ville qui puisse s'y comparer, si vous aimez les lumières et les frivolités. Est-ce votre cas ?»« Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle en riant. « J'ai toujours vécu à la campagne. Je suis arrivée récemment à Londres, je suis une villageoise en somme. » Sans s'occuper du contenu de son assiette, elle avait posé un coude sur la table et le menton sur la main. Elle souriait au duc. Elle cherchait les compliments sur qu'ils allaient venir, et jamais elle ne s'était sentie si délicieusement hardie. « Si c'est vrai, madame, j'ai dû me tromper toute ma vie d'endroit. J'aurais dû m'installer aussi à la campagne. »« Oh, mais la campagne, c'est vaste. Vous n'auriez peut-être pas choisi la mienne. »« En effet, finalement, j'ai fait le bon choix en venant à Londres dès mon arrivée en Angleterre. » Elle avait eu ce qu'elle attendait, et le plaisir pétillait en elle comme des bulles de champagne. Bien que sa marraine ne fût pas loin, ni Agnès en compagnie de l'un de ses cavaliers, Anna était à peine consciente de son environnement. Le duc de Arundel ne parlait qu'à elle, lui racontait Paris, la régalait d'anecdotes, de détails sur la mode, et il lui semblait qu'il lui accordait son entière attention. Quelque chose dans son attitude lui donnait l'impression d'être précieuse, unique, aimée. Elle jouait un jeu excitant, qui ne correspondait pas du tout à son tempérament. Elle s'en serait même crue incapable quelques heures plus tôt.
Je me permettrai de passer chez Lady Stern demain après-midi, dit le duc, si elle veut bien me recevoir. Et peut-être me feriez-vous l'honneur, madame, au cas où le temps serait clément, de m'accompagner à St. James Park. C'est la promenade favorite de la bonne société, comme vous le savez certainement. Elle l'ignorait, et de toute façon, c'était une invitation qu'elle ne pouvait pas, ne devait pas accepter. Il ne fallait pas qu'elle prolonge son rêve au-delà de la soirée. Cela ne signifierait évidemment rien pour lui de danser avec elle, de l'escorter en promenade, mais pour elle, cela risquait de se révéler dangereux. Elle était déjà follement amoureuse de lui, comme le sont les petites filles du prince charmant, d'une façon un peu éthérée, qui laisserait dans son sillage des soupirs mais pas de réels chagrins. Tandis que si elle sortait avec lui, elle avait peur d'aimer. La vie qui avait été à peine supportable ces dernières années deviendrait intolérable si elle commettait l'erreur de se laisser aller. Il ne fallait pas qu'elle cède à la tentation. « Alors je vais prier de tout mon cœur pour qu'il fasse beau demain », s'entendit-elle néanmoins répondre. Le souper se terminait. Les convives retournaient vers la salle de bal. Le duc se leva, lui offrit son bras, porta légèrement la main d'Anna à ses lèvres. 5 minutes plus tard, elle était entraînée dans un quadri par un autre cavalier, toujours aussi souriante, toujours poussée par cette joie qui ne la quittait pas depuis son arrivée chez les Diddering. Elle avait beau se morigerner, se reprocher la réponse donnée au duc, elle ne parvenait pas à la regretter. Après tout, elle s'était promis de s'amuser pendant 2 mois, même si elle ne s'attendait pas que le plaisir fût aussi vif, aussi envoûtant. Alors, pourquoi le limiter à une soirée ? Pourquoi ne pas s'accorder une journée de plus, ou même les 2 mois entiers ? Oh, ce serait tellement merveilleux de vivre pleinement ces 2 mois. Une fois rentrée chez elle, la vie serait-elle plus terne ? Si elle profitait de l'instant présent ? Oui, répondit son petit démon intérieur, son existence lui paraîtrait insipide. Cependant, si elle s'en privait, elle le regretterait amèrement jusqu'à la fin de ses jours. En supposant que sa vie fût seulement terne, cela risquait d'être bien pire s'il revenait d'Amérique. De nouveau, cette bouffée de panique, elle ne le supporterait pas, elle aurait envie de mourir. Le duc de Arden ne dansait pas. Près de la porte, il conversait avec 2 messieurs et la marquise d'Estienne, sans toutefois quitter Anna des yeux. Elle lui adressa son plus lumineux sourire avant de revenir à son partenaire et au quadri. Luc se leva tôt le lendemain, comme c'était son habitude, quelle que fût l'heure à laquelle il s'était couché. Il avait déjà fait sa promenade à cheval matinale et avait pris son petit déjeuner quand un visiteur inattendu se présenta, à une heure tout à fait incongrue. Il n'y avait rien d'élégant chez cet homme qu'il reconnut instantanément malgré 10 ans de séparation. Il était un peu plus rougeau, un peu plus trapu, si bien qu'il paraissait largement ses 29 ans. Mais il n'avait pas vraiment changé. Il portait une perruque poudrée à la hâte, une veste mal ajustée, un gilet trop long, des bas qui plissaient un peu. C'était de toute évidence un campagnard qui ne se souciait pas de la mode. « Will !» s'écria Luke tandis que William Webb, baron de Sveridge, pénétrait dans le petit salon derrière le majordome qui venait de l'annoncer. « Mon cher ami !» Lord Sveridge s'arrêta net, bouche bée. « Luke, pardieu, c'est toi !» Il serra vigoureusement la main de son ancien ami. « Bon sang, qu'est-ce qu'on a fait de toi à Paris ?»« Cela apparemment, » répondit Luc en désignant la veste d'intérieur en soie qu'il avait enfilée autour de sa promenade. « Fichtre !» lança William qui cherchait quelque chose dans son gilet. « Nous avons entendu dire que tu étais rentré au pays. Et j'ai un message pour toi, Luc. De toute façon, il fallait que je vienne à Londres pour affaires. Ça m'arrive 1 ou 2 fois par an, ce qui est, je t'assure, 1 ou 2 fois de trop à mon goût. Tiens, une lettre de Henrietta. » Luc accusa le coup et fourra la missive dans sa poche. « Merci beaucoup, Will. Comment va-t-elle? Et toi, marié, père d'une demi-douzaine d'héritiers ?» William rougit. « Je suis toujours célibataire. Le seul endroit pour trouver une épouse, c'est Londres. Or, je déteste y séjourner. Et plus encore, courir les bals décorés comme un arbre de Noël. Oh, pardon, Luc. » Luc indiqua un siège à son ami et sonna pour qu'on leur apporte des rafraîchissements. « J'ai l'air d'un arbre de Noël, Will ? Grand Dieu, tu ne m'as pas vu habillé. » William semblait un peu mal à l'aise. « Henrietta se porte bien, » déclara-t-il tout à trac. Luc s'assit à son tour, croisa les jambes. Il lui avait toujours paru incroyable que William et Henrietta puissent être frères et sœurs. La jeune femme était petite et menue. Il se demanda si elle était toujours aussi mince. « Elle n'a pas été très heureuse, » reprit William. « Tu le sais sans doute. Elle a perdu son bébé. Et George a changé.
Il est devenu sombre. Mais tu n'as pas envie d'en parler, je suppose, ajouta-t-il avec une petite toux gênée. C'est de l'histoire ancienne, tout ça, Will, répondit Luke dont les doigts se crispaient légèrement sur le bras du fauteuil. William s'épongea le front de son mouchoir. Elle est nerveuse depuis qu'elle a appris ton retour en Angleterre. Elle pense que c'est peut-être à cause d'elle que tu ne reviens pas à Bowden Abbey. Non, Will, rétorqua calmement Luke. Je déteste autant la campagne que toi, la ville. Mon univers, c'est Paris, ou à défaut, Londres. Ils se turent le temps qu'un valet de pied servit un verre de vin à William et de l'eau fraîche à Luke. « Je ne sais pas quel est le sujet de cette lettre, » dit ensuite William, « mais elle semble longue. Les femmes sont intarissables quand elles ont une plume entre les doigts. Moi, au contraire, mon esprit se vide dès qu'il faut que j'aligne trois mots. Et je n'écris pas plus de deux phrases à l'heure, et encore les jours d'inspiration. Je la lirai plus tard. » Elle a insisté pour que je te la remette en main propre, Luke. Elle m'a prié également de te dire que Bowden t'appartient, qu'elle en est heureuse et qu'elle serait désolée que sa présence là-bas te prive de ce qui est à toi de droit. Ce n'est pas le cas, Will, tu peux la rassurer. Elle est peinée que tu te trouves en Angleterre et que tu ne sois pas venu à Bowden. Elle m'aurait accompagné si elle n'avait craint de te contrarier. Elle semble penser que tu lui en veux encore de... Oh bon sang, j'ai horreur de ce genre de choses. C'est la dernière fois que je me mêle de transmettre des messages. Si tu me laisses le temps de m'habiller, nous pourrions nous rendre à White's ensemble, suggéra Luke. Tu en es membre ? Oui, répondit Will, manifestement soulagé. On y tient souvent des conversations intéressantes. Sur les terres, le bétail, les récoltes, rien que cette idée me fait frémir. Accorde-moi une demi-heure. Une demi-heure ? Mais tu n'as qu'à enfiler une veste et prendre ton chapeau. Les arbres de Noël apportaient un peu plus de soin à leur toilette, riposta Luke avant de quitter la pièce. En réalité, il avait surtout envie de lire tranquillement la lettre de Henrietta. Après 10 ans de silence, elle fut brusquement tentée de la déchirer. Se retint. Elle avait commis une erreur, commençait-elle de son écriture, qui lui était encore étrangement familière. Même après ce qui s'était passé, elle aurait dû l'épouser, lui, et non George. Après tout, elle était sa fiancée, elle l'aimait, il acceptait malgré tout de se marier avec elle. Elle avait fait le mauvais choix, imaginant que c'était le seul possible, et elle avait été très malheureuse. Luke interrompit un moment sa lecture. Il ne pouvait lui reprocher la décision qui avait changé le cours de plusieurs vies, y compris de la sienne. Elle portait l'enfant de George, elle avait donc épousé George. Elle était à peine plus qu'une enfant, elle avait seulement 17 ans à l'époque. Cependant, tout ce qu'elle écrivait n'avait plus de raison d'être. Elle se retrouvait veuve, libre de chercher le bonheur et d'épouser qui elle voulait, sauf lui. Une femme ne se mariait pas avec le frère de son défunt mari. Elle voulait qu'il revienne, continuait-elle, on avait besoin de lui à Bowden. Tout allait à volo depuis la mort de George et ni elle ni sa belle-mère ne s'y entendaient pour diriger un domaine. Lawrence Colby n'en faisait qu'à sa tête. Il profitait de son pouvoir en tant que régisseur d'un maître absent quant à la maison proprement dite. Apparemment, Henrietta avait envie de tout changer. Des meubles aux teintures, mais la duchesse Douairière était opposée aux modifications par respect de la tradition. Pourtant, Henrietta affirmait qu'elle essayait seulement de mener à bien les transformations que George lui-même avait souhaité effectuer avant de mourir. « Luke devait revenir, » insistait-elle. « C'était sa demeure, son foyer, et il avait toujours adoré Bowden Abbey. Avait-il oublié qu'ils y avaient grandi ensemble ? N'avait-il pas envie de la revoir ?» Elle terminait en lui adressant tout son amour. Luke replia soigneusement la missive. Il était agacé que Will l'attende. Il s'en voulait aussi de ne pas avoir remis sa lecture à plus tard. Il avait étouffé bien des années plus tôt son amour pour Henrietta. Il avait fait taire la douleur de l'avoir perdue, l'angoisse de la vie qu'elle devait mener bien qu'elle n'eût commis aucune faute. Tout cela, il se l'était arraché du cœur. Il s'aimait, il devait se marier, elle irait vivre avec lui au presbytère quand il entrerait en fonction. Et puis George était rentré après une absence de 2 ans passée à courir le monde. Et il avait séduit Henrietta. Elle avait longuement pleuré dans les bras de Luke en le lui avouant. George n'avait pas prononcé un mot. Il n'avait ni nié ni confirmé l'histoire de Henrietta. Mais il n'avait pas tardé à la demander en mariage. Et elle avait choisi d'épouser le père de son enfant plutôt que l'homme qu'elle aimait, bien que Luke ne l'eût pas rejeté. Puis il y avait eu le duel. George avait ostensiblement tiré en l'air, tandis que Luke, qui ne s'était encore jamais servi d'une arme à feu, visait d'une main tremblante. Il avait bien sûr l'intention de manquer son frère. Hélas, il avait touché à l'épaule. Tout le monde avait cru qu'il avait cherché à le tuer afin de s'approprier son titre, sa fortune, et Henrietta.
Nul ne savait que la jeune femme avait choisi George parce qu'elle avait fauté avec lui. On avait pensé que Luke agissait par pure jalousie, alors qu'il avait exigé ce duel uniquement au nom de l'honneur. Et aussi parce que la trahison de son frère le déchirait. George, de 4 ans son aîné, avait toujours été son idole. Quand il était rentré de son tour du monde, Luke avait passé d'interminables heures à l'écouter raconter ses voyages, heureux de l'avoir retrouvé. Ensuite, George lui avait volé sa femme de la façon la plus cruelle qui fut. Non, ce n'était pas un bon souvenir, et Luke avait eu raison de le chasser de sa mémoire. Toutefois, Henrietta avait été obligée de vivre avec ce fardeau sur la conscience pendant 10 ans, ou plutôt 8, jusqu'à la mort de George, et elle n'avait pas été heureuse. Elle restait néanmoins duchesse de Arundel et elle avait des projets pour le domaine, projets que n'approuvait pas sa mère. Alors on invitait Luke à venir prendre parti, le parti de Henrietta. Il détestait l'idée de se mêler de cette querelle. Après tout, peu lui importait le sort de Bowden Abbey. Quand brûle la maison, quand la laisse les terres en friche, il s'en moque. Cependant, les souvenirs de cette demeure, de cette terre qu'il avait aimée, lui revenaient. Il n'imaginait pas l'ancienne abbaye rénovée. Bien qu'elle eût déjà perdu presque totalement au fil des siècles son aspect religieux d'origine, s'il s'y rendait, elle se rangerait certainement aux côtés de sa mère. Quant à Colby, il fallait manifestement le remplacer. Mais comment ? Luke le pourrait-il s'il n'allait pas constater par lui-même ses erreurs ? Avait-il le droit de chasser le régisseur sur la foi de ce qu'on lui avait dit, ou même après l'avoir écouté s'expliquer à Londres ? Il fallait qu'il se rende à Bowden, décida-t-il, même si ce n'était pas de gaieté de cœur. Il se trouverait alors coincé entre la duchesse Douairière et sa belle-sœur. À moins que, son valet de chambre l'aidait à enfiler sa veste, à moins qu'il n'arrive avec une troisième duchesse de Arundel, son épouse. Il repensa au bal de la veille. Lady Anna était charmante, innocente malgré son attitude provocante. Il se dégageait d'elle une vivacité, une joie de vivre, qui l'avait ébloui, lui qui était habitué aux beautés blasées. Au cours de sa promenade du matin, il s'était arrêté chez un fleuriste afin de lui faire envoyer une douzaine de roses rouges. Et il allait l'emmener à St. James Park l'après-midi, alors qu'il prenait son petit déjeuner. Il s'était aperçu qu'il attendait leur prochaine rencontre avec impatience. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas eu autant envie de quelque chose. Elle était fille de Kant et il ignorait si elle avait de l'argent. Mais cela n'avait aucune importance puisqu'il disposait personnellement de deux immenses fortunes. L'une gagnée par lui-même et l'autre héritée 2 ans auparavant. D'autre part, c'était l'épouse que Théo avait choisie pour lui. Parce qu'elle était la filleule de sa maîtresse, bien sûr. Pourtant, cela n'aurait pas suffi à l'influencer. En outre, elle était ravissante et fort bien faite. Si elle lui donnait un fils, ou de préférence plusieurs, cela renforcerait la stabilité de la famille. La succession serait assurée. Luke descendit enfin l'escalier juste un peu avant la demi-heure prévue et trouva William en train d'arpenter impatiemment le salon. Certes, se dit Luke tandis qu'il sortait, il n'avait aucune envie de se marier, ni maintenant, ni jamais. Mais il fallait savoir se sacrifier parfois.